that a highly motivated test subject can carry out rather complex tasks while enduring the most intense pain. So in case you don't make it through the testing, goodbye. This next test is impossible. Vous contrôlez désormais les deux portails. Le test qui suit peut s'avérer très, très long. Si vous avez la tête qui tourne, n'hésitez pas à vous évanouir. Nous vous enverrons une sonde d'intubation contenant de la Pepsi et de l'adrénaline pour vous réanimer. Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadows et on se retrouve donc pour la suite du Walfu sur Portal. Alors, rappelez-vous, on avait acquis le deuxième générateur de portail orange, donc, et on avait accédé à la salle suivante. Donc là, on arrive à la vraie première salle, je dirais, qui utilise les deux portails. J'ai mis un peu de temps à étudier ce qu'il fallait faire. Mais bon, j'y suis arrivé au final. Et ça a marché tranquillement. Il suffit de poser ce petit cube sur le bouton. Je galère un peu, vous voyez. En fait, je voulais le mettre avec classe, mais j'y suis pas arrivé. Donc, voilà. Donc j'ai fini par le prendre à la main, on va dire, et voilà. Maintenant, il fallait poser le deuxième cube, le deuxième cube, qui est en fait le premier, qui est là-bas, donc, dans notre salle, sur le deuxième bouton, donc, et je savais pas, en fait, au début, je savais pas qu'il y avait un deuxième bouton, justement, donc j'ai mis un peu de temps à comprendre, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas joué à ce jeu. Je dois l'avouer. Donc voilà. Ça va se faire tranquillement. Voilà. Et ça marche tranquillement. Là, il suffit de poser un portail orange là-bas et un portail bleu pour y rentrer. C'est tout bête. Nous ne pouvons plus vous mentir. Alors oui, je voulais aussi vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui est récemment paru sur plusieurs sites d'actualité jeux vidéo. Donc, j'ai vu que le DLC de Portal 2, le deuxième DLC, donc, sortira début 2012. Et ce DLC, il promet. Pourquoi il promet ? Parce qu'il proposera un éditeur simplifié de map, si bien que on pourra créer donc nos salles de test personnalisées avec tous les objets qu'il y a dans Portal 2 finalement. Alors ça m'a beaucoup plu parce que je croyais que cet éditeur de map donc était seulement prévu pour la version PC, mais finalement non, c'est aussi pour la version les versions console. Alors j'ai vraiment apprécié le geste. Après, au niveau de l'ergonomie, je ne sais pas comment ça va se manigancer tout ça, mais ça promet très franchement. Alors là, il faut placer l'orbe dans le réceptacle que vous avez vu au début de la salle. Donc il suffit de bien placer les portails. Très simplement. Alors là, à l'aller, on pouvait passer d'une plateforme à l'autre avec le portail, mais là, on peut plus parce qu'on a placé les portails pour l'orbe, justement. Donc, faut attendre que les plateformes se lèvent tranquillement. On retourne au début et on active le réceptacle. Très simplement. Voilà. Ce qui active l'ascenseur et. Qui vous permet d'aller à la salle suivante. Donc voilà. Alors là, ce
cette partie de ce Wild Fool, j'ai mis un petit peu de temps à le faire. Enfin, je l'ai fait il y a un petit moment, mais à le commenter, j'ai mis un peu de temps. Parce que j'avais pas le bon moment, le temps nécessaire pour le faire. Mais bon, au moins là, c'est fait. Et bien fait, je l'espère. Alors là, oui, on retrouve les bonnes salles qui utilisent la vitesse, comme vous voyez, pour traverser donc le champ de force. Enfin, la grille d'émancipation, comme ils disent. Alors là, un peu technique. Mais c'est tout bête au final. Voilà. Ce qui est difficile, c'est le timing qu'il faut pour placer le portail à cause de la grille d'émancipation. Parce que rappelez-vous que si vous passez une grille d'émancipation, donc vos portails s'annulent, se désactivent. Ce qui n'est point pratique. Alors là, encore une nouvelle salle qui utilise la vitesse. Ça doit être les dernières, celle-là. Un peu plus dur, un peu plus difficile que la précédente. Mais ça marche tranquillement. Ah oui, je voulais aussi vous prévenir, tant que j'y suis. Je voulais faire donc la vidéo des glitches de Super Smash Bros. Melee ce week-end. Malheureusement, quand j'ai voulu... quand je suis allé chez l'ami en question pour récupérer... pour utiliser donc la GameCube pour faire la vidéo, ben, le problème c'est que... pour réaliser un certain glitch, Black Hole, donc il fallait 4 manettes et malheureusement il n'en avait que 2 ou 3. Donc je suis un peu dégoûté. Mais bon, ça se fera tôt ou tard de toute façon. Alors là, faites gaffe que c'est un peu casse-gueule, je vous préviens. Ah, encore une bonne salle avec du timing, comme il faut. Génial. Là, vous avez 2 bornes avec 2 boutons. Faut les appuyer le plus... pratiquement en même temps, quoi. Enfin, le plus vite possible. Là, tac. Tac. Vous placez un portail ici. Et un là. Avant que la porte se referme. Là, c'était juste. J'y suis arrivé du premier coup, je suis assez content. J'avais un peu de mal à l'époque. C'est une des salles les plus chiantes, ouais. Enfin, chiante, oui et non, en fait. Il faut juste avoir le bon timing, on va dire. Donc là, on avance tranquillement. On va bientôt arriver aux salles avec les fameuses tourelles. Elles me feront toujours délirer, d'ailleurs. Avec ce qu'elles disent, finalement. Elles sont bien modélisées, moi j'aime bien leur modélisation. Ça fait propre. Parce que vous avez les toiles ouais, toutes blanches, quoi. C'est sympa. Alors je ne sais pas si c'est là, ouais, bah justement. C'est là qu'on arrive à la salle avec la fameuse tourelle, donc, et vous allez voir que j'ai un peu failli. Non, j'ai carrément failli. Enfin, vous allez voir ça à la fin de la salle de test. Erreur critique. Elles font délirer. C'est que ça doit être possible à faire en plus dans la réalité, ça. Il suffit d'un capteur et des balles. Après, tout ce qui est design, ça se fait à la conception informatique, on va dire. Mais franchement, ça peut être réalisable, hein. Ça peut être sympa. Donc là, ça consiste à... Enfin, la salle consiste à faire tomber les tourelles, donc, pour avancer. Vous avez des croix sur le plafond pour indiquer qu'il faut pas faire tomber un cube pour le déstabiliser, donc le faire tomber. Alors là, j'ai eu un peu de mal, mais ça va. D'ailleurs, je me souvenais pas que les tourelles pouvaient tirer à travers les vitres. Ça, je m'en rappelais pas. C'est pas gênant en soi, mais je m'en rappelle plus en tout cas. Je
crois que dans Portal 2 ça le fait pas d'ailleurs. Je ne sais plus. En tout cas, ça avance tranquillement. Là, je tente de récupérer cette tourelle sans me faire tuer. Il me semble que j'y arrive. Je ne sais plus. Si j'y arrive. Voilà. Je le fais tomber. Et c'est là que je vais failler, je crois. Avec la tourelle qui est là-bas. Parce que je voulais mettre un. Ouais, c'est pour ça. Je voulais lui mettre un portail sous ses pattes pour le faire tomber, mais j'ai pas réussi. Ce qui fait qu'elle m'a eu. Mais bon, deuxième tentative et là ça marche. Hein. J'ai pas eu trop de mal. En fait, j'ai fait un peu le kéké, on va dire, pour le coup. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, voilà, voilà. Ça va marcher tranquillement. D'ailleurs, on est à la 16e salle. Et si je me souviens bien, il y en a 19. Donc, vous voyez qu'on arrive bientôt à la fin. Enfin, presque à la fin. Car après les salles de test, il y a encore une partie du jeu à faire. Mais on arrive franchement très très rapidement. Comme je le disais donc, ça signe très rapidement Portal. Il me faudra aller environ 5 ou 6 vidéos, franchement. Peut-être 7. Mais vraiment pas beaucoup. D'ailleurs, je voulais entamer après Portal de Waifu sur Star Fox Assault sur GameCube. Un jeu que j'ai beaucoup apprécié, surtout pour son mode multijoueur qui me faisait rappeler franchement Lila Wars, Star Fox 64, mais avec les personnages de Star Fox Aventure, notamment Crystal. Bon, c'est pas mon personnage préféré, hein, mais bon, je sais qu'il y a pas mal qui ont bien aimé Star Fox Aventure. Au moins, personnellement, je l'ai pas trop apprécié. J'y ai joué très très peu. Mais de ce que j'ai vu, c'est un des Star Fox qui s'éloigne plus de ce qu'est un Star Fox habituellement. Un Star Fox, c'est quoi? C'est pour moi, c'est un shoot'em up avec ton Arwing ou ton Landmaster. Ben là, c'est plutôt un sceptre, des dinosaures et une aventure. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est nouveau, donc c'est quelque chose qui a été nouveau. Donc après, moi j'ai pas accroché personnellement. Alors là, c'est un peu pris en traite là. Je me souvenais plus qu'il y avait une toile derrière la porte. C'est assez, assez salaud. Mais c'est bien pensé. Donc oui, Star Fox Aventure, comme je disais, oui, on aime ou on n'aime pas. Hein. Chacun est juge. Mais oui, donc Star Fox Assault donc est un jeu que j'ai beaucoup apprécié, comme je disais, beaucoup avec son multijoueur. J'ai fait pas mal de parties multi quand je l'ai eu avec mes potes sur divers cartes. Donc on avait la possibilité de jouer soit en infanterie, soit en Wolfen, soit en Arwing, soit en Landmaster. C'était vraiment intéressant. Et le deuxième point aussi est le mode solo finalement qui est juste, je trouve personnellement, énorme. Voilà, on arrive directement dans la bataille contre l'armée d'Andros. Puis après, une nouvelle menace arrive. Moi, franchement, j'ai accroché. Donc là, on arrive dans une salle que j'ai mis pas mal de temps à finir. Elle est assez longue, mais j'ai beaucoup hésité parce que je me souvenais plus comment faire. Mais c'est pas si difficile que ça finalement. Le truc, c'est de faire gaffe de pas se faire tuer par les orbes, qui, je le rappelle, sont mortels. C'est pour ça que vous avez votre cube pour vous protéger. Alors théoriquement, je ne devrais pas mourir dans cette salle. Si je me souviens bien, je meurs pas. Après.
Non, je crois que c'est bon. Et pour revenir au Wall que j'allais faire aussi, donc je vous ai dit Star Fox Assault, mais je vais aussi m'attaquer à Killzone 2. Alors Killzone 2, je l'ai eu il y a, si je dis pas de bêtises, il y a un an. Il y a un an. Et donc en version, je l'ai trouvé en édition limitée Steelbox à 15 €. Et j'ai réussi à le platiner d'ailleurs. C'est un des trophées platine les plus durs que j'ai fait. Ouais, que j'ai fait. Pas que j'ai faite, je crois pas. Et ouais. Sinon, mis à part que le trophée platine soit difficile, j'ai beaucoup apprécié le mode solo. Même si la fin est assez frustrante, on va dire. Quand vous verrez le Wafu, vous allez peut-être comprendre pourquoi. Et si vous avez les cheveux, vous comprenez sûrement pourquoi. Donc, Killzone 2, ouais. Donc, pourquoi pas m'attaquer plus tard après à Killzone 3. Je suis quelqu'un d'ambitieux. Mais Killzone 3 est aussi bon que son prédécesseur. Ils sont un peu différents. Et je trouve Killzone 3 peut-être un peu plus court. Et plus facile. Ouais, plus court et plus facile. Mais tout aussi beau, franchement, graphiquement, je le trouve magnifique. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai Killzone premier du nom aussi sur PS2, mais celui-là, je sais pas. Je l'ai eu après en fait Killzone 2. J'ai pas trop accroché à l'histoire. Peut-être du fait que ce ne sont pas les mêmes personnages que vous contrôlez que dans Killzone 2 et Killzone 3 finalement. Mais je sais pas. Puis peut-être que les graphismes m'ont peut-être rebuté aussi. Parce que ça. PS2 et PS3 ça change radicalement. Mais bon. Après un waifu, pour l'instant c'est bon. J'ai plein de jeux en réserve donc j'ai de quoi faire. J'ai de quoi faire. Ça, c'est un truc de malade. Sinon, vidéo de glitch. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vidéo de Super Smash Bros. Melee viendra dans pas très longtemps, je l'espère. Il faut quand même que je finisse de le monter et le commenter pour expliquer les glitches. Mais je compte en faire aussi sur d'autres jeux. Je pense notamment à Battlefront 2 sur PS2 que j'aimerais très sérieusement vous montrer. Parce que Battlefront 2, c'est un des jeux sur lequel j'ai adoré quoi. Il n'y a pas de mots pour décrire à quel point je need un Battlefront 3 quoi. Battlefront 2, en plus je suis fan de Star Wars alors. Non mais Battlefront 2 c'est vraiment un jeu énorme. En tout cas pour son époque, parce que quand j'y ai rejoué, ça m'a foutu une claque les graphismes quand même, hein, je dois l'avouer. Mais franchement, il est bon. Malgré quelques défauts, je vois vraiment, très franchement, un Battlefront 3 sur console HD et PC. Très franchement, ça pourrait se faire quoi. Avec toutes les ce qui fait un bon FPA on va dire, ou FPS. Enfin, c'est pas vraiment des FPS, plutôt des TPS à la limite. Je voulais pas dire FPA d'ailleurs, parce que c'est pas une aventure. Mais plutôt, ouais, plutôt des TPS. Malgré qu'on puisse régler, en tout cas dans Battlefront 2, la vue en première personne. Mais ouais. D'ailleurs, j'ai mis en ligne une vidéo sur Star Wars Jedi Knight 2, un jeu qui est sorti sur PC, GameCube et Xbox. Vous avez réussi. Qui, encore une fois, j'ai saigné à mort sur PC en mode multi. D'ailleurs, il y a encore une petite communauté qui essaie de survivre sur ce jeu. Une petite communauté française. Mais allez,
à tout casser une vingtaine sur très peu finalement, parce que c'est un jeu qui est vraiment oublié malgré qu'il soit disponible sur Steam. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment un bon jeu. En tout cas, on arrive à la fin de cette partie de ce Walfu. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la troisième partie de Portal. Ciao !